Yo tout le monde, c'est Noé et toi, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on est sur Naruto Ultimate Ninja Storm 4 et c'est une vidéo astuce donc pour le premier Hokage Hashirama. Donc comme d'habitude, je fais plus les combos parce que ça sert à rien, mais je vous fais juste montrer le joystick carré parce que beaucoup de personnes ne regardent pas les listes de combos et ne connaissent pas cette technique. Donc le joystick carré, tout simplement, il met trois machins comme ça. Donc si le personnage court sur vous, ça va vite et ça utilise pas de chakra. Même si vous avez plus de chakra, vous pouvez quand même faire cette technique. Donc ensuite on a le triangle carré, on peut le faire ça, mais on peut aussi le faire appuyer. Voilà, c'est un petit peu les trucs spéciaux de Hashirama. Donc j'ai trouvé un combo, donc on peut faire un combo infini avec Hashirama. Donc je vais vous faire montrer. Ça utilise du chakra par contre, donc assurez-vous d'avoir plein de chakra avec votre personnage, enfin que votre adversaire n'ait plus de permutation. C'est vraiment le plus important. Donc on va faire la technique carré, joystick vers le haut. Et au moment où que le tas d'arbres va sortir du sol, on va faire triangle X vers lui. On va le taper en l'air, on va retomber et on va refaire le combo carré vers le haut. Et ensuite, quand on sent qu'on a plus beaucoup, enfin qu'on arrive au niveau de la barre de chakra pour faire sa technique, tout simplement on va le stunner et on va faire la technique. Donc je vais vous faire montrer... Je vais vous faire deux combos et le troisième je vais faire la technique pour vous voyez à peu près. Donc là on fait ça. Dès que ça sort on vient là. On refait truc vers le haut. Ah là il s'est éloigné un petit peu, on peut voir, donc je vais recommencer. Hop. Ça sort, on attend. Hop. Là j'ai tapé en l'air alors que j'aurais pas dû. Faut vraiment être en bon accord. On va réessayer. Hop. Et là, elle est retombée trop tard. Merde. Je voulais pas faire ça. Bon allez, on réessaye. Voilà. Je pense que vous avez compris là, c'est pas très compliqué. Mais voilà, en gros c'est ça. Et donc on peut le stunner en même temps. Donc pas facile à placer les stuns durant le combat. Mais avec ça, c'est vraiment très simple de les placer. Donc tout simplement, on fait ça. Hop, on attend qu'elle retombe et on la stun. Et donc après, on peut faire la technique. Ou sinon, on la stun. Comme ça, c'est plus simple après de reprendre le deuxième combo. On attend, on la restun. Bon bah là, j'ai loupé, mais on peut la restunner. Vu qu'on en a deux. Et après, faire sa technique spéciale. Donc voilà, en gros, cette technique, c'est beaucoup. Je sais pas si on peut varier avec les soutiens aussi. Si, on peut varier avec les soutiens. Donc vous voyez que là j'ai sauté dessus avec Sasuke. Donc regardez, je vais vous refaire montrer. Hop. Sasuke. Non, là j'ai envoyé le premier Hokage. En gros voilà, c'est sa technique carré vers le haut. On peut vraiment la custom avec plein de trucs. Vous voyez que là franchement on le frappe. On peut faire un combo à l'infini. Enfin pas à l'infini, jusqu'à temps qu'on ait plus de chakra. Donc je vais pas mettre combo infini dans le titre hein, parce que là ça va être un petit peu mensonger si je mets ça, parce que c'est pas infini vu que ça utilise du chakra quand même. Mais vous voyez qu'ensuite on peut lui faire la technique carré vers le haut et donc le stun très facilement pour pouvoir lui faire la technique spéciale. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je pense que je vais peut-être commencer des petites séries en ligne, parce qu'il faut vraiment que je me remette en ligne, parce que là je suis à fond sur les jeux PC et je suis plus trop sur Naruto. Je suis beaucoup aussi sur GTA, sur Call of, mais je suis plus trop sur Naruto. Mais je reviens quand même vous faire des petites astuces. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. Moi, je vous dis à la prochaine pour mes nouvelles vidéos. Salut, salut.